Désinstaller une application sur Linux. Donc je vous fais voir sur Linux Mint. Alors je ne sais pas si c'est pareil sur les autres versions de Linux. Donc là je vous fais voir sur Linux Mint. Donc hop, je vous fais voir sur VirtualBox bien sûr. Donc vous cliquez sur le menu démarrer ici, hop. Et vous allez dans toutes les applications. Voilà. Il faut voir toutes les applications. Ici. Donc je vais prendre un exemple, hein. Dans la partie bureautique par exemple, il y a LibreOffice, voilà, il y a plusieurs LibreOffice. Alors sachez qu'on peut désinstaller les composants séparément, voilà. Donc pour ma part, je garde simplement LibreOffice ici, celui-ci, celui-ci et celui-ci, voilà. Je vais désinstaller Math parce que je ne m'en sers pas. Donc un clic droit dessus, voilà, et vous vous mettez bien dessus, hein, sur celui en question. Un clic droit dessus et là désinstaller. Et là, bah, il vous demande votre mot de passe normalement. Donc vous mettez votre mot de passe validé et vous attendez. Voilà, là il vous demande confirmation. Voilà, Linux. Voilà, vous vérifiez bien que c'est le bon. Hop, on désinstalle. Voilà, ça va très vite, en tout cas pour cette application-là. Ensuite, bah, vous fermez, voilà. Ensuite, bah, vous retournez dans le menu démarrer et puis vous regardez éventuellement qu'est-ce que vous voulez désinstaller, par exemple. Il y a accessoires, il y a plein de choses, voilà. Alors après, c'est vous qui voyez. Alors sachez que vous pouvez bien sûr les retélécharger après, hein. Par exemple là, ex-chat, moi j'en veux pas. Hop. Voilà, ben vous faites comme ça pour chaque chose que vous voulez désinstaller. Voilà, vous regardez bien ici, parce que des fois on peut se tromper, on allait trop vite. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.